partir du travail sur la carte topographique de Gruissan réalisée en salle informatique, il est possible de réaliser un schéma de Gruissan. Placez en bleu la Méditerranée. Il faut écrire « Méditerranée » en bleu sur le schéma. Coloriez en bleu l'étang de Gruissan, l'étang du Grazel et l'entrée du port. Vous pouvez vous aider des couleurs qui apparaissent à l'écran ou consulter le géoportail comme en classe. Vous devez regarder en alternance le schéma et la légende pour identifier les figurés. Il y a 3 figurés ponctuels. Attention au respect des couleurs. Vous pouvez vous aider de l'image ici pour délimiter les habitats touristiques et la montagne. Les autres figurés de surface sont faciles à identifier comme les chalets sur la plage ou la sagne. Vous alternez la lecture de la légende et du schéma pour trouver les figurés linéaires. L'extension urbaine se fait en direction de la sagne puisqu'il s'agit d'un projet d'un nouveau quartier comme on l'a vu en classe.